Ça. Ben. Aniko, out dans ce roi. Aniko. Monsieur. Ok, Aniko, est très fort dans ce roi. Aniko, out dans ce roi. Maintenant, nous continuons avec le programme de la soirée. Et cette fois-ci, nous allons faire appel. Bien. Donc, ça c'était bien sûr les chasseurs du Wassulu. Donc, nous allons faire appel maintenant bien sûr aux danseurs de Sigi, s'ils sont prêts. Donc, avant de passer à ce niveau, donc, nous disons merci ici, présent parmi nous, monsieur Tchemogo Sangaré, ancien ministre de la Défense et des anciens combattants. Il est parmi nous ce soir. Également, nous avons ici, monsieur le secrétaire général du ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Le secrétaire général est Roque, représente ici madame le ministre. Il est parmi nous ici. Bonsoir et bienvenue. Donc, nous avons également le directeur général de PAFPA, monsieur, la personne de monsieur Al-Bacha Touré. Bienvenue également. Donc, 600, voilà. Oui, Bachaka. Je crois que Aminatani. Sigi Mouroué. Oui, je vais donc amener au Ladje. Donc, Sigi également une danse traditionnelle du Wassulu. Depuis, bien sûr, des temps. Zimemouyo. Qu'est-ce que vous allez voir maintenant? C'est ça. Donc, Sigi. Sigi ni Sigi Mouroué. Voilà. Voilà. C'est ça. Ils sont là. Drissa. Applaudissez. Aïe, très la fois, Sigi. Sigi, il y a ça. Aïe, très la fois. Aïe, très la fois. Aïe, très la fois, lui. Voilà. Sigi sous vos ovations. Eri. Pour le
le baroulan de Nine, Yafila Tamaka, Yafamaduria, Walai, Ponetouille, Paranan de Nine, Yawana, Homoki, Yafamaduria, Parande, Ponanda, le baroulan de Nine, Sivana de Yalala. Avec le programme de la soirée, certainement cette fois-ci, apprêtez-vous. Alors, pour la promotrice du festival, recevoir Diva, bien sûr. Tout à fait, Pachaga. Voilà, merci, 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 bien Sigui. Merci. Oh.
Applaudissez pour ce coup. Voilà, donc ici, violon, c'est un instrument bien sûr traditionnel. Et lorsque nous attendons bien sûr cette musique, ça nous faisait oublier surtout les événements douloureux. Tout à fait, voilà. Voilà, les événements douloureux, c'est tout ici. Il faut le dire. Donc, si on voyait bien sûr, on entendait cette musique. Tout à fait. Donc, ça joue et ça nous fait oublier. C'est ça. Voilà. Et c'était synonyme. Oui. Vraiment d'une histoire. Bien, sans tarder, donc c'est nous ça. Allons faire appel, bien sûr, voilà, à la diva. C'est ça. Pour Sangaré, applaudissez. Applaudissez pour Oumou Sangaré. La diva, bien la sûr. La promettrice du festival Fiwa. Bien. Oumou Sangaré sous vos ovations. Elle est là, elle sera là pour son intervention. Oui, celle. Oumou Sangaré est déjà là. Oui, la fierté du Wassoulou. Tout à fait. La diva. La diva, bien sûr, de la musique malienne. La diva. Akadai ye kas tusoka kosoro manso bla ko kan fola so. Olet maye tout temps bari. Bonsoir tout le monde. Anora Wassoulou Mbenoula, bonsoir et bienvenue à Yanfolila pour cette troisième édition du FIWA. Merci d'être là pour participer à cette belle aventure, car le FIWA est une aventure. Merci à vous qu'ils avaient fait le déplacement. Merci aux membres du gouvernement. Qui ont fait un déplacement qui va tout droit au cœur. Plus de 4 ministres présents. Ça montre l'importance de ce FIWA. Merci aussi à Télécel, notre sponsor officiel. Mais le FIWA a aussi rassemblé des personnes très différentes, les producteurs de mon lait local, des médecins bénévoles, des jeunes du Wassoulou, des médias nationaux et internationaux, et surtout nos partenaires internationaux comme MINUSMA, UNESCO et la FAO, dont je suis l'ambassadrice depuis presque 20 ans, qui nous aident, car le FIWA se bat pour la paix et le développement du Mali. Bon festival, amusez-vous bien, car le Wassoulou est le berceau de l'ambiance. Bon festival. Merci. Ok. Merci à RMBJ
de m'avoir offert ce beau cadeau. Merci. Ça me va tout droit au cœur. Merci beaucoup. Applaudissez pour la diva de la musique malienne. Projet en art, culture et patrimoine sur le continent. Tel que la mission a été fut confiée à notre président de la République. Je ne saurais terminer mon propos sans procéder à l'ouverture solennelle, donc au lancement solennel des activités de formation au centre Moussa Ngaré. Et pour cela, j'ai l'honneur de déclarer ouverte au nom du directeur général du FAFA, M. Mohamed Abachar Doué, qui aurait dû être là plutôt pour une remise de diplôme de fin de formation, parce que l'engagement a été pris à la deuxième édition l'année dernière et les formations auraient dû se faire. Et les agendas de l'organisation du FIWA, M. Madani et Mme la conseillère, n'ont pas toujours coïncidé avec les agendas propres de l'administration. Ce qui fait que nous en sommes encore au lancement des dites formations. Et au nom donc du directeur géant du FAPA, M. Touré, je déclare ouvertes des sessions de formation de 200 jeunes dans les modules de compétences en art musique, en hôtellerie, tourisme, accueil, en logistique, sécurité, en communication et en gestion de partenariats, auxquels nous ajoutons volontiers un module généralise en entrepreneuriat, gestion et organisation des projets et des organisations. Merci. Dans le cadre de la formation de nos startups. Je vous remercie de votre attention. Je serai terminé sans annoncer à Madame la Diva que le directeur général du FAFA me charge de lui transmettre cette lettre par laquelle il manifeste son soutien financier à l'organisation de la présente session. Et cette lettre décrit les montants et les modalités de mise à disposition de cette ressource. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci. Merci, monsieur le directeur. Même si le directeur n'est pas là. Donc, nous disons merci. Merci beaucoup à son représentant. Donc, nous demandons ici, madame la ministre, Madame Diaye Ramatoulaye Diallo pour son élection, pour l'intervention donc, à travers le Festival International du Ouassoulou. Madame la ministre, Madame Diaye Ramatoulaye Diallo, qui ne mélange aucun effort pour la promotion de la culture malienne, applaudissez pour elle. Elle est toujours amie du Ouassoulou. Non seulement elle dépasse aujourd'hui l'amitié entre elle et le Ouassoulou, mais aussi l'amitié entre elles, bien sûr, qui se font jour à jour, bien sûr, avec la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, bien sûr, la Côte d'Ivoire. Il faut l'accompagner, les hôtesses. Toujours dans la promotion de la culture. Il faut accompagner la ministre. Bien sûr, madame qui ne mélange aucun effort pour la promotion de la culture malienne. Bien sûr, applaudissez pour elle. Bien. Laissez le passage à elle. S'il vous plaît. Madame vous la plaît, ministre de la culture. Son intervention. C'est ça. S'il vous plaît, elle a été toujours à côté de nous ici. Tout à fait. Donc, merci beaucoup. Pour chaque année, elle est là. Voilà. L'année passée, elle était là. Cette année, elle est là encore. Voilà. Il faut la saluer énormément. Oui. Pour son déplacement. Yes, applaudissez pour Madame la ministre de la Culture, Madame Diaye Ramatoulaye. Sangare vous dit merci. Elle est déjà là. Sangare vous dit merci. Et la Diva du Ouassoulou vous dit bienvenue au Festival International du Ouassoulou. Monsieur le ministre des Maliens de l'Extérieur, c'est-à-dire Monsieur le ministre de Moussa Ngaré, Monsieur le ministre de l'Environnement, chers frères,
Monsieur Tchemogon Sangaré, ancien ministre de la Défense, fils du terroir, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet du cercle de Yanfolila, Monsieur le président du conseil de cercle de Yanfolila, Monsieur le maire de la commune rurale de Yanfolila, Mesdames et Messieurs, en vos titres, rangs et grades respectés. Madame la directrice du Festival international du Wassoulou Fiwa, ma très chère sœur, très vénéré patriarche et gardien de la tradition de Yanfolila, messieurs les chefs coutumiers, religieux et officiers du culte, chers festivaliers, honorables invités, mesdames et messieurs, peuple du Wassoulou. Wassoulou Dibutigilakaou, Wassoulou Makoro, Wassoulou Moussou, Wassoulou Demiseou, Oni Chou, Oni Yatouma, Oni Se, Ansigira Herela, Alakambi Herela, Mbedeika Foni Keneika, Mouni Keneye, Dambetigia Kene, Ni Keneye Yeredon Kene, Fiwa Keneye Seko Anidonko Kene, Fiwa Keneye Fasunjo Kene, Odela Mbanini, Obela Jelenfe, Ni Kene Wasole Ninjama Wasolenfe, Anka Miri Anita Siblake, Anga Finitiguye, Noye Famaouye, Ulumumbuyere, Ni Saraka Dongordo, Walasa Kaon Kumabo, Walasa Kaon Lakana. Alaka Jamana Sumaya, Alaka Malisuma, Fitine ni Balaou, Alaka Nkisi Otoroma, Alaka Ben Sabati, Alaka Nyomine Sabati, Alaka Doua Obele Djelimine. Mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt en Bambara, le contexte douloureux de notre pays m'impose l'impérieux devoir de rappeler ici une dette de mémoire et d'inviter à garder dans nos cœurs et dans nos prières tous ceux et toutes celles qui ont perdu la vie dans l'histoire récente du Mali. Gloire et honneur aux victimes civiles et militaires, gloire et honneur à nos vaillants Fama qui paient parfois au prix du sacrifice ultime notre droit aux libertés fondamentales et nos aspirations humaines de base comme la célébration de nos identités par le biais des arts et de la culture. Je voudrais associer à cet hommage tous les festivaliers, toutes celles et tous ceux amis du Mali qui bravent parfois les annonces sécuritaires pour prendre part à cet événement culturel et à d'autres. Au nom de leur amitié pour le Mali, au nom de leur loyauté et au nom de leur devoir de solidarité. Wassoulou Makoroni Maba ou Folien Kofé, Oumou Akadigné, Wassoulou Kao Katagerefo, Mbara Nyongani Djanyongoye, Noye Ministre de la Communication, Oyao Eredoye, Noye Ministre des Maliens de l'Extérieur, Amadou Koïta, Noye Ministre de l'Environnement, Asbou Hissène Amion, j'ai failli dire, Hissène Amion Gindo, Poulo. Nous avons dit que nous avons fait un peu de temps. 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 Nous alibi fait un alibi de temps. Nous alibi kana un peu de temps. Au folie qu'on fait, mesdames et messieurs, si la culture est le reflet d'un pays et le socle de son développement, il n'en demeure pas moins que les artistes en sont les dépositaires de cette richesse. Il est important de rappeler que c'est dans la culture que chaque peuple puise sa faculté d'innover et sa volonté d'entreprendre. La culture occupe une place prépondérante dans le processus de développement, car facteur d'intégration politique et sociale, de paix
est source de revenus par la valorisation des productions artistiques et la création d'emplois. Aujourd'hui, la culture impacte considérablement les économies locales par l'accroissement de l'activité économique des commerçants, des prestataires de services, des hôteliers, des restaurateurs, des sociétés de transport, entre autres services. L'initiation de ce festival, une œuvre de notre sœur Oumou Sangaré, est donc un véritable tremplin pour la cohésion sociale et le développement socio-économique au Ouassoulou. Malgré l'absence de statistiques fiables, les dépenses moyennes des festivaliers, des visiteurs et les recettes directes des festivals ont permis d'évaluer à un peu plus de 10 milliards de francs CFA par an leur impact économique direct et indirect, ce qui représente environ 0,3% du PIB. À cet égard, il est important de retenir que l'impact direct des activités culturelles ne se limite pas à la somme des valeurs des biens et des services marchands ou non marchands. Elles sont aussi des éléments de promotion de la paix et de la tolérance, facteurs de stabilité sociale, de communication et de sensibilisation du public sur de nombreux sujets de société et d'amélioration de la qualité de vie. Oumou Sangaré, l'occasion est opportune pour partager une préoccupation avec vous et l'ensemble de tous les artistes ici présents. Quel peut être le rôle de la culture dans la prévention du coronavirus? Réfléchissez-y et faites-nous des propositions. Mesdames et messieurs, nul besoin de faire une rhétorique sur la renommée de la diva du Ouassoulou. Oumou Sangaré, qui a dépassé les frontières. Ses œuvres continuent à émouvoir et faire vibrer les scènes internationales, nationales bien sûr. Oumou, Malignele. Mais Oumou, on peut dire aujourd'hui que Ouassoulou Niele. Bravo. L'initiation de ce festival par la diva est la réponse à une demande des jeunes du Ouassoulou pour la création d'opportunités en termes d'emploi, de développement économique et de cohésion sociale. La diva Oumou Sangaré assigne donc à cette plateforme du donner et du recevoir une mission de construction citoyenne, de raffermissement de la cohésion sociale, d'échange de la connaissance mutuelle, de rayonnement du patrimoine culturel de son terroir, de communion, de retrouvailles et d'interaction. C'est un vecteur où se transmettent les valeurs fondamentales entre jeunes et patriarches, entre membres des différentes communautés. Le Ouassoulou est un réservoir de plusieurs sommités de la musique malienne qui se sont propulsés au firmament de leur art en créant des œuvres que leur culture, leur patrimoine et leur technologie leur insufflent. Ces artistes ont exploité les ressources culturelles de leur terroir pour inventer des modèles, des styles et autres rythmes pour labelliser leur création. Vous avez cité quelques noms, monsieur le maire, comme Sandra Yoro Diallo, Oumou Sangaré, Sali Sidibé, Tata Djakité, Ramata Djakité et beaucoup d'autres ont été des porte-étendards, des ambassadeurs des airs du Ouassoulou à travers le monde. Mesdames et messieurs, la présente édition sera marquée durant 3 jours par diverses activités programmées, au nom desquelles le public aura droit à des animations culturelles ponctuées par des groupes traditionnels, des célébrités nationales et internationales, des démonstrations, des parades à travers de sublimes et fascinantes danses et chorégraphies. Elle enregistrera également des sessions de formation, vous l'avez dit, monsieur le directeur, des masterclasses, des expositions. Enfin, mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais féliciter et remercier les organisateurs, les partenaires techniques et financiers, dont la conjugaison des efforts a permis la réalisation de cet événement. Nos remerciements chaleureux et fraternels s'adressent aux différentes autorités politiques et administratives pour leur engagement, leur participation et les soins assidus dont ils ont fait preuve pour la réussite de l'événement. Vive le Ouassoulou dans un Mali pluriel, mais uni et debout. Vive le Mali solide et solidaire. Je vous remercie.
Applaudissez pour Madame la ministre. Applaudissez. Merci beaucoup. Applaudissez pour elle. L'intervention vraiment a été capitale. Donc, Badon, ministre de Koumani, Aduna, Antlola, Katadan, Haglika, Barine, Akoko, Abe, a ministre de Rofo, ministre de Mounou, Boraka, Blasrani, Kenekonana, Madon Gafo, Anga, Ambal Makene, Ambalenge, Ove Nisoja, Ove Kegakad, Lugi Koufa, Bikous, Sabla, Bi Nisoja Doui. Merci beaucoup, Madame la ministre. Donc, voilà. Voilà, donc avant bien sûr la chorégraphie, donc nous allons permettre à la diva de la musique malienne de saluer bien sûr cette délégation venue de Bamako d'ailleurs. Ok, merci beaucoup. Madame la ministre Ramatoulaye, merci pour tout ce que tu fais pour la culture, l'effort personnel, merci pour toi-même. Avant de commencer quoi que ce soit, je tiens sincèrement à remercier tous ces ministres qui ont fait le déplacement. Je commence par Monsieur Yaya Sangaré. Yaya, n'a le naya, va foko aller comme ministre Foulan Tolesso. Ko aller manamini aller te ministre Ria. Kana la fabra. Ni kumani ne farikansi che. A kumani c'est profond Yaya. Ini che yere mo yere ko manke ko ibe fula. Barika. Mes ministres de l'environnement faux, dominant Serama, monsieur le ministre Akoma Oumou, avec comme Ebolo Ibolo Bonkonoka, ni un kakoué. En bas, fait un tas de meufs dont moi selon Choumi, mais effectant, amenale, ayant accompagné. Ka brouetou dama ka sisame tle minam bana djugu chayara do re farala ka tuguni ko coronavirus ay tege ko lam dama ko nga sigi fiwa e campement do ndala ni mo mi mbedo o ka tege ko ka je ni ni bana masea ini bana teboya ini cheo la monsieur le ministre ko barika. Katlaka ministre de Malien de l'extérieur faux, dominant tarafé, a koné mako umu, e bide e bie note, e karanka deme. Nse kwe miye, oye kanye re sogo tonye, kana. Ya fo, ya ke, vi au ka programme chaya kujuguna, au ya au ka bnya bara bedabla. Kana netede au nana wasolo ne bonya wasolo ngai ay tegenu foro ay au de bonya wasolo ay wasolo ne bonya ka dugutigi bonya ka almam bonya ka wasolo musoi bonya ka dindrani bonya ay ni che ayire ka baola chemo eko ko e yere barakodo e wole la yere o e ma wole o e bena ne tara carte dima iko konté da foli made mbena menyere tundalentala nyaaye jama chela ni surprise ne ya fo maliyawe ngo janin kadi nyome yoro dola kokru de tiso anga faman numbe may mako baraula fantan jamana marali mano ube many mako barala me ali disana u chesri jara ekele au ba ke tayi sabu ala de otun njugu takada au ko aba chesri jala u ke tayi sanju goro wosi kate don galondo ni wosi rabrebre alona ay ni chayere wosolo mbe ko kay ni che au na li jarawnge ay bismillah fami me mo tege ni wosolo ya o da to kalamani
oda to kalamana nbraya note benzente banaya ntugunde to te bana benzente bana suma ere kalamante banaya donc ay bismillah nte boya ni yoronina ni ma faf pa fo faf pa darana katrunko nye institut créé parce que um sangare tafe ka danima dia kono ni ala e doniya ni do kalfa ila benita loni tugo kana sanaye ni bi se ka transmit tugo mi a transmite donc ne tara se faf mama ngo feni do kar farane la ala fe no ye donc lare o doni fitini mi bena parce que nete donc li da farafin re nya koro ka chaya mais mbé donc li da tobu de nya koro o be ke tugo mi j'arrive comment pour la convaincre j'arrive comment pour la nanga mon kono. Ça c'est un don naturel, j'ai envie de transmettre ces dons à des jeunes de Wassolo qui ont un institut créé, qui ont une scène, qui ont une scène. Comment maîtriser une scène? Quand Mali est une scène, une scène. Donc, on a un coach, on a une formation, mais Wassolo a dit qui est venu du groupe de Néé, qui est venu du groupe de Néé, qui est venu du groupe de Néé, qui on est là qu'à Boka Ifo, comme préfet Fo. Nous te voyons animer préfet Fo. Kabini Bara Damnena, monsieur le préfet Barika, il te sonne sous téléphone en camp. Préfet Akiare, à quoi be da fale, minuit, RR ni yuele, il be téléphone ta demsanou mana doika RR, il bo reso, à quoi Barika initie yere, initie faso de nimaya, en camp on retourne foya. Maman, mon retour au foyer, fin déplacement qui a bénitié à la capesara, à la capesa bati malikolo. N'y a foyer, quangam maline en détail. Mon rechite borore canadla, anga bengam boulot du roma, anga jamanadla. Vive le Mali. Ministre Chaka Sangare, colonel Chaka Sangare. Général Chaka Sangare, pardon, et ne recroquait et à Bosambe Blaneron Kosuro. Donc, ne croquait bon mandir à tête à l'événement. Aya Senda Kalaka, Kanakana Kalibenakana, Wassolo, Adoran Kanadoni, Kokrodo, Kobarika, tant que Aibene Kokoro, Netes Lana, Emane Dubru de Nesabi, Kokrodo Moralena, Kobarika, vive le Wassolo. Alaka ben sabati Wassolo, alaka ben sabati Mali Dugukoloka. Bonne fête et voilà. Merci, merci, merci bien. À présent, après l'intervention de la diva Oumou Sangare, comme elle a si bien dit, nous tenons ici à saluer monsieur le gouverneur de la région de Sikasso, monsieur Banya Mahmoud Djité, voilà, toute sa délégation. Le même remerciement va également à l'endroit de monsieur Tahirou Koïté, voilà, le chef de l'exécutif, monsieur Sampoulitabé. Nous allons donner le micro à madame la ministre pour le lancement du Festival International du Wassolo. À présent, nous allons faire appel à la chorégraphie de danse contemporaine de monsieur Sekou Keïta. Ah, le lancement. Ah, d'accord, d'accord. Ah, ok, il s'agissait bien de la région de Bougouni. Et toutes mes excuses, monsieur Banyanya Mahmoud Djité, gouverneur de la région de Bougouni. Merci. Allô? Monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur, moi j'ai bien dit le gouverneur Bougouni, hein, mais avant, vous voulez rester Sikasso. Ça, c'est pas ma faute. Hein. Et il y a le ministre Sangare ou les ministres Sangare qui confirment. Donc c'est monsieur le gouverneur de la région de Bougouni.